Voici le moteur AMC. Donc, je vous présente les boutons de réglage. Ce sont des molettes. Pour les régler, pareil. Vous suivez les flèches indiquant le sens pour plus de tours ou moins de tours. Et le réglage effectué. Partie haute, fin de course basse. Partie basse, fin de course haute. Nous mettons l'interrupteur en marche pour pouvoir faire fonctionner le moteur. Tout d'abord, le faire fonctionner en sens descendant pour régler la fin de course basse. Votre moteur étant arrêté, on va chercher la fin de course qui se situe dans le haut du moteur pour pouvoir régler la fin de course basse. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. On fait redescendre légèrement, monter légèrement l'axe de façon à pouvoir attacher les attaches tabliers, comme ceci. On fait maintenant monter le volet de façon à régler la fin de course haute, comme ceci. Votre volet étant arrêté, on prend la fin de course qui se trouve dans le bas du moteur. Restez branché le moteur, toujours dans le sens des aiguilles du monte. On règle en faisant fonctionner le moteur. Le moteur étant réglé, on fait des tests en haut et en bas pour voir les arrêts. Votre volet est réglé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Si cette vidéo a pu vous être utile, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne.